durer ce distance réellement dans le vide qu'on laisse partout. Sentir le vent de l'espoir s'infléchir dans son dos et rester collé au trottoir, car les elfes les fous. S'enivrer piteusement, gagner ses deux, pas forcément. Fuir un tableau, c'est une lâcheté qui colle au présent. Faire vibrer ses cornes à la rambarde, sans se demander si c'est banal. Et subir toutes les heures, ne plus pouvoir avancer par manque de visibilité, ne plus vouloir déconner dans l'ignorance de l'alphabet, et ne plus savoir imaginer par défaut d'utilité. Qui habite pas un peu plus haut, je crois, Algrange. Monsieur Alphonse Pansin, un monsieur avec qui j'ai eu la chance de travailler il y a à peu près une dizaine d'années en arrière, et à partir de certains de ses textes, j'ai enregistré mon premier album sous mon nom, uniquement avec des textes dont il était l'auteur. Denis Meyer est dans la salle. Il est dehors. Il est là. Il est au milieu. Ah oui. Alors j'ai choisi parmi les chansons de Alphonse Pansin une chanson qui s'appelle Magique. Que dire de nous amis qui ne fut déjà dit? La lenteur de nos mains qui jamais ne nous vint. Que je suis ce fanat que le Mistral étreint, et qu'il ne faudrait pas, sous prétexte de vie, faire du verbe à la nuit.
lyonnaise que j'ai rencontrée. Je vous passe les détails de l'histoire, parce qu'on est encore le matin. Et c'est une jeune femme qui a une écriture fabuleuse, et dont j'ai choisi deux textes d'ailleurs, que j'ai mis en musique sur cet album. Et on continue à correspondre, et continue à m'envoyer.